Oh, I've been searching for the words till I lost my shit. I've been praying for new ways for tomorrow. I've been searching for some peace in a lost world. I've seen so many troubles in the night. So call it by its name if you can stand it. Call it by its name if you like. Say it's how it ends if you did. Say the world's insane if you mind. But how still such troubling, so much trouble in the world. La chanson qu'on vient de vous jouer, je ne l'avais jamais encore chantée en public. Je l'ai écrite il y a peu de temps pour l'album que nous préparons ensemble avec mon groupe Layla and the Koalas. Habituellement avec moi, sur scène, il y a Paul, qui est comme un frère avec qui je joue depuis presque 15 ans. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas être là. Ensemble, depuis un an et demi, on écrit de nouvelles chansons. Et ce sont ces chansons que je vous chante aujourd'hui, grâce à la présence d'une femme lumineuse qui s'appelle Kumnan Amayonseo. Cette chanson, elle s'appelle The Healer. Elle parle de nos crises et de l'amour qui guérit. En temps de crise, je ressens cette urgence à faire sortir les émotions qui me traversent, à aller droit au but, à transformer toutes ces questions que je me pose pour construire quelque chose de nouveau, une chanson. On connaît tous la peine de l'insécurité, de l'incertitude de la vie.
Et depuis toute petite, face à cette peine, j'ai la même intuition, c'est chanter. Je me dis, là, maintenant, tout de suite, il faut que je chante. Si je ne chante pas, je pourrais m'effondrer. Je crois en la nécessité d'exprimer les émotions qu'on ressent, sinon elles reviennent nous rendre visite, nous ronger, nous abîmer de l'intérieur. Je crois que le silence ne guérit rien et qu'il faut se parler. Et pour moi, le plus instinctif, c'est de parler en chantant. Quand je chante une chanson, je me sens reliée, reliée à mes émotions, mais surtout reliée à celles et ceux qui m'écoutent et à ce qui nous réunit. Et dans ce monde où on cherche sans cesse des oppositions, des contradictions, où on confronte les identités, les communautés, moi, je crois tellement plus fort en ce qui nous réunit. J'ai grandi dans la campagne bretonne, dans une ancienne ferme que mes parents rénovaient. Mon père, il était arrivé d'Afrique à l'âge de 14 ans, tout seul, pour travailler dans les usines. Mon père, il est musulman. Et ma mère, elle vient d'une famille catholique bretonne. Alors, dans notre maison, à Noël, on se réunissait autour de la crèche et on chantait ensemble les cantiques. Minuit chrétien, les anges dans nos campagnes, tout y passait. Et au Nouvel An, mon père, il sortait les percussions traditionnelles et on se mettait à chanter, à danser, en imaginant des chansons en tchachelrit, sa langue maternelle. Personne ne savait parler cette langue à part lui, hein. Donc on imaginait. Ah, il y a une personne ici qui sait le parler. On imaginait, on créait. Et dans ces moments-là, je me sentais tellement reliée à mes parents. J'étais une enfant super timide. Et grâce à la musique, je me connectais à mes frères. On avait notamment une cassette de Bob Marley. Et on la mettait comme ça, en silence, on écoutait. Dans notre chambre, avec nos lits superposés. On chantait « I wanna love you ». And treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together. Et c'est comme ça que je trouvais ma place dans cette famille et dans ce monde. J'avais 9 ans le jour où je suis arrivée dans les contreforts des montagnes de l'Atlas, rencontrer la terre de mon père. Cette rencontre, elle a été compliquée pour un enfant qui ne parle pas la langue de sa famille. Et celles qui m'ont ouvert les portes à ce moment-là, ce sont les Spice Girls. En fait, toutes mes cousines connaissaient leurs chansons. Et donc, on s'installait sur la terre battue de la Casbah. À notre droite, il y avait les moutons qui bêlaient. À notre gauche, il y avait le four dans lequel cuisait le pain. Et on chantait. Alors, aucune d'entre nous ne connaissait les paroles. On faisait un yaourt absolu. Mais à ce moment-là, les chansons des Spice Girls, c'était le langage qui pouvait nous réunir. Et encore aujourd'hui, l'odeur mélangée des crottes de mouton sèches à celle du pain qui cuit dans le four, je pense que c'est une de mes odeurs préférées. Plus tard, tous nos étés, ils se passaient sous ce soleil brûlant du village. Et les Spice Girls, elles ont laissé leur place. J'ai commencé à écouter d'autres mélodies. C'était mes tantes. Mes tantes, elles chantaient en faisant la cuisine, en allant au mariage, en allant laver le linge à l'eau de la rivière. Elles chantaient des mélodies ancestrales transmises de femme en femme, de génération en génération. Je ne comprenais pas leurs mots, mais les mélodies, elles me parlaient. Il y en avait une qui faisait... J'adorais cette chanson, je ne savais pas ce que ça voulait dire et j'ai compris plus tard que mes tantes, elles chantaient « Dis-lui, dis-lui, dis-lui que puis-je bien faire de cette vie ?» Alors j'ai grandi, bercée par toutes ces mélodies et arrivée à l'adolescence, j'ai été traversée d'une crise. Celle d'être un mélange que les gens voulaient reconnaître, définir, étiqueter. Et moi, je me reconnaissais dans aucune de ces étiquettes. Alors je me cherchais, je me suis lissé les cheveux. Il faut imaginer. Je voulais changer de prénom. Je cherchais à entrer dans une case alors que personne ne peut rentrer dans une case. Mais c'est grâce à cette crise que j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Et depuis, j'écris toujours en temps de crise.
C'est comme une thérapie. Je m'installe dans le silence, dans la solitude. Et je chante des mélodies qui viennent d'une certaine manière me cicatriser. Avant que la musique ne devienne mon métier, j'étais professeure d'histoire. Ça n'a pas duré longtemps, un mois et demi. Mais j'ai voulu tout laisser, tout quitter et je suis partie. Avec une amie, on est partie aux États-Unis. On a acheté les billets de car les moins chers possibles, c'était les bus Greyhound. Et on est parti comme ça, on a traversé l'est du pays de Boston à Nashville, avec nos sacs sur le dos, pour un long voyage. Et là encore, pour ce voyage et pour tous les autres qui ont suivi ensuite, quand j'y suis retournée avec des amis musiciens, c'était la musique, c'était les chansons qui me faisaient entrer en contact. Je me souviens d'un soir où on se perdait dans une ville de Caroline du Sud, à Charleston. On arrive dans une gare routière à moitié vide. Sauf deux hommes installés sur un banc. En nous entendant parler français, l'un d'entre eux nous appelle et dit « Je m'appelle Eugene et je sais parler français. Je sais parler français, je sais dire une phrase en français. » Alors on s'approche. Écoutez cette phrase, il nous dit « J'ai mal à la tête à cause du bruit. » J'ai pas compris. Mais en voyant la guitare sur le dos d'un de mes amis, il nous demande « Est-ce que vous connaissez Lean on Me ?» de Bill Withers, c'est ma chanson préférée. Sometimes in our lives, we all have fears, we all have sorrows, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me. Ce souvenir, je l'ai remporté avec moi et tant d'autres souvenirs qui me disaient que la musique, que les chansons, elles traversent toutes les barrières de langue et de culture. Et revenue en France, j'ai écrit plein de chansons et j'ai envie de vous chanter un petit bout d'une de ces chansons. Alors, elle s'appelle Everything. Elle parle du fait d'avoir tout déjà en soi. Si vous voulez chanter avec moi, faites-vous plaisir. Je sais que la plupart d'entre vous ne connaîtront ni les paroles ni la mélodie, mais vous pouvez chanter en yaourt. Well, he's a man on his knees, and he keeps begging for my melodies, and he keeps telling me I'm a real woman, and that is true. Oh, that is certain. That is certain. Là, c'est le refrain. C'est le moment du yaourt. J'ai pas enseigné l'histoire très longtemps, mais ce que j'en ai retenu, c'est que en temps de crise, ce qui nous menace, c'est la division. Elle vient comme ça dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, dans nos sociétés. Et pourtant, la crise, elle n'est pas là pour rien. C'est un moyen de s'adapter à ce monde qui change. Peut-être qu'elle vient nous chanter, elle aussi, une chanson à l'oreille, une chanson qui parlerait de reconstruction. Peut-être qu'elle vient nous demander de repenser notre manière d'être au monde. Je crois qu'en chantant, en écoutant des chansons, on est mieux accompagné pour traverser toutes ces tempêtes. Et moi, là-dedans, ce que je veux, c'est chanter les mots de l'amour et du pardon. Je crois que ces mots, ils sont universels et qui permettent de saisir du pouvoir guérisseur de la musique. Alors, pour vous dire au revoir, je vais vous chanter une dernière chanson.
Elle s'appelle The Pardon et elle parle justement de cette quête insatiable de l'amour et du pardon. Aujourd'hui, ce sera aussi la première fois que je la chante devant un public et elle sera sur cet album qu'on prépare avec Leila and the Koalas. Je vous remercie mille fois de m'avoir confié un peu de votre temps précieux. Of a woman's heart.